Le Répéto de Antonin Louchard aux éditions du Seuil. Il y a au fond des bois toutes sortes d'animaux, des gentils et des méchants, des petits et des gros, des tout petits même, mais il est un animal à éviter à tout prix. Ce n'est pas qu'il soit méchant, mais il a une maladie, une affection peu commune, une fantaisie qui rend fou. On l'appelle le Répétou. Bonjour, joli papillon. Au revoir, joli papillon. Bonjour, monsieur. C'est qui ce gros malpoli qui dit même pas bonjour quand il croise les gens, hein? Ohé, machin, je te parle! Oui, tu m'as bien entendu, truc bidule. Quand tu croises quelqu'un qui te dit bonjour, c'est poli de lui répondre bonjour aussi. D'accord? C'est poli de lui répondre bonjour aussi, d'accord? Voilà. C'est pas la peine de... C'est ça, mais pas la peine de crier quand même. Mais pas la peine de crier quand même. Et pas la peine non plus de crier qu'il faut pas crier, hein? Ça escarne des oreilles, tu vois? Ça escarne des oreilles, tu vois? S'il te plaît, tu peux arrêter de répéter tout ce que je dis, hein? C'est hyper énervant, tu sais? C'est hyper énervant, tu sais? Bonjour monsieur. Il fait pas chaud pour la saison, hein? Ohé, Jean-Claude. Jamais tu réponds quand on te dit bonjour, hein? Oui, c'est toi que je parle, grossier personnage. Oui. C'est à toi que je parle, grossier personnage. C'était le Répétou d'Antonin Louchard aux éditions du Seuil.